Je m'appelle Michael et je suis agent de sécurité. Mon métier consiste à sécuriser les biens et les personnes. Aujourd'hui, je suis sur un site en cours de démantèlement, mais demain, je pourrais très bien assurer la sécurité lors d'un concert sur le stade Vélodrome. Ma journée commence par vérifier si le site est en sécurité. Toutes les heures, j'effectue ma ronde, tout en respectant, bien sûr, donc les consignes qui sont de bien badger aux endroits où l'on passe. Parmi mes missions, il y a celle de surveiller les caméras de surveillance et j'écris sur ma main courante ce que je constate, j'interviens si besoin. En cas de difficulté, je peux appeler mon responsable ou les secours, que ce soit les pompiers ou la police. Pour faire ce métier, il faut bien sûr déjà être courtois avec les gens. Il faut aussi être bienveillant envers les personnes que l'on protège. Avoir un sang-froid à toute épreuve, ce n'est pas un métier sans risque. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est important d'être curieux dans ce travail. C'est important aussi d'être autonome sur les sites. Une amie a vu en moi un potentiel que je ne connaissais pas pour travailler dans le métier de la sécurité privée. J'ai donc effectué une formation pendant 2 mois, à l'issue de laquelle j'ai été embauché par une boîte de sécurité privée. Trouver un travail dans la sécurité n'est pas du tout un problème. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est de rendre service aux personnes, la découverte des nouvelles missions chaque jour. Il y a aussi la diversité du travail en soi. Il y a 2 facettes du métier, le travail en équipe, avec ou sans public, et le travail tout seul, avec ou sans public. Ce que j'aime dans ce métier, sont les possibilités d'évolution. Aujourd'hui, je suis un simple agent de sécurité, mais demain, je pourrais très bien être panificateur ou contrôleur. Je suis fier d'assurer la sécurité sur les sites sur lesquels je travaille. Je m'appelle Michael et je suis agent de sécurité.